Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Et voilà, dernier jour à San Francisco, les valises sont bouclées, nous allons reprendre la voiture, on va à l'aéroport, direction Phoenix. Toute bonne chose, il y a une fin. Oui. Va falloir remettre la clé. On est allé à l'aéroport, on a fait tout le tour de l'aéroport, on est monté, on est descendu, que c'était pas là, on a fait 5 km pour revenir à l'aéroport. Non, 6 km de l'aéroport. 6 km, tout va bien. Bon, voilà. Parfois, le moins cher, c'est pas spécialement le plus intelligent. Oui, ça c'est vrai. Parce que là, du coup, on est loin de l'aéroport. Oui. Ouais. Allez, on y va. C'est fini la Mustang, c'était bien. Ah, bah, t'es déjà dedans? Ah, là, je suis là. T'es déjà bien installé? Je voulais être sûr de partir, je pars, c'est coincé. Voilà les amis, le jour du départ, on rentre, on est dans le Uber, nous allons à l'aéroport de Phoenix et on rentre pour Paris en passant par Atlanta. Ouais, et ici il fait 45 degrés au moins. On est dans la vallée de la mort là. Et égal à lui-même, il fait 45 degrés. Parce qu'à Phoenix, il fait toujours 45 degrés. Bah oui, 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 il fait toujours 45. Normalement, on devrait prendre l'avion en maillot de bain. Et en tongue. Seulement, il faut faire. Oui, en tongue, mais il faut faire. Comment on dit en slash en slash en Belgique. En Belgique, on dit en slash. Mais là, c'est peut-être pas la bonne idée parce que dans l'avion, ils mettent la clim frigo. Ah, oui, c'est-à-dire que vraiment, on est dans la clim, on est dans un frigo à combien, moins 10 au moins. Au moins. Ouais, à moins 45. Voilà, ce fut deux semaines très passionnantes, très intéressantes. Très amusantes. Très amusantes. Très amusantes, on a beaucoup rigolé. On a fait rigoler tout le monde en faisant des blagues, en fait. Hein, dans la queue à Alcatraz, là. Comme d'habitude, hein, si vous voulez, en effet, avoir des portes ouvertes, faites-le avec la bonne humeur, avec le sourire. Ou oser aller vers l'autre, vers les autres. Et c'est vrai que c'est là où la magie s'opère. Je ne me lasserai jamais de le dire. Si vous voulez que des choses se passent dans votre vie, il faut que vous soyez vous-même l'initiateur de ce changement ou l'initiateur de cette amélioration. Et puis ce que tu dis souvent, c'est que c'est une manière de voir les choses quand il y a des problèmes. Et pendant ces 15 jours, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. Mais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis. On a eu un gros panier de problèmes. Mais la différence, c'est qu'avec Michel, on a une manière de voir les choses qui est optimiste. Ouais. Et on a une manière de voir les choses avec de l'humour. Oui. Et puis finalement, tout se passe très bien malgré les problèmes qu'on rencontre. Donc si vous aussi, vous avez des problèmes, le conseil que va vous donner Michel, c'est... Alors, si vous avez des problèmes, le conseil que Michel va vous donner, c'est... Voyez la vie du bon côté. Pas plus tard qu'hier, par exemple, j'avais terminé, ou quasiment terminé, le montage d'un des vlogs précédents. Et en arrivant, tout était perdu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien compris. Il y a dû avoir une fausse manipulation. Et j'ai perdu 4 heures de travail. Et c'est vrai que perdre 4 heures de travail, ça fout les jetons. Et donc Guy m'a vu un petit peu énervé, embêté, ennuyé. Mais bon, je suis resté calme, j'ai pris mon mal en patience. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de râler pendant 3 heures. Je vais perdre encore plus de temps. Et ça aussi, c'est le truc, c'est le temps et l'énergie qu'on perd à râler. Et à se dire pourquoi, oui, mais pourquoi moi et pourquoi maintenant, c'est toute l'énergie qu'on peut dépenser à recommencer et puis à faire les choses correctement. Alors, je me suis bien dit que j'allais donner quelques conseils à Michel. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que j'évite. Oh, il est gentil. Hein, je déteste les conseils des autres. Allez, on arrive à l'aéroport. Turbulence que des...
c'est le commandant. Qui a passé, il regarde son film. On a deux doigts de s'écraser, ils sont fous. Mais j'entends rien là, c'est pas mon film. Tu m'as mis ton film. Tu remarques pas que c'est pas le même son? Ah oui, c'est pas le même. Mais non, parce que je regarde les bandes annonces. Ça fait 5 minutes qu'il regarde son film. Il remarque pas que c'est pas le même son. Je regarde les bandes annonces. J'ai son câble ici. Je l'ai mis sur mon écran. Il regarde un film. Je l'ai mis en allemand. Tu écoutes rien. Mais parce que je regarde les bandes annonces. Oh putain, c'est trop bon. Ouais, tiens, je te le rends. Tiens. Allez, je te le remets. Oui, remets-le. Remets-le moi, on dit. Allez, on est à Atlanta. Ouais. Et on va prendre maintenant le prochain avion. Et il faut pas traîner parce que c'est dans. On décolle dans 3/4 d'heure en fait. Ouais, ouais. Traîner. Est-ce que tu m'as vu traîner? Il y en a qu'un seul qui traîne, c'est toi. Hein. C'est ça, oui. On n'a même pas encore décollé, déjà tu joues. C'est pour ça que je suis pas. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais, Guy? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Il fait sa valise en arrivant, lui. Mon Dieu. Et tu n'as pas honte.